sommes à Chabreloche, dans le Puy-de-Dôme, pour la quatrième manche du championnat de France d'enduro 24 MX. Le départ va être donné dans quelques minutes et les pilotes devront vite se concentrer puisqu'ils seront dans la première spéciale, 9 minutes seulement après le départ. On nous annonce une très belle journée avec peut-être un petit peu de poussière, mais de la chaleur. On va revivre évidemment tout ce qui s'est passé dans les catégories élites E1, E2 et E3. Et quelle journée éprouvante pour les pilotes et notamment les élites qui ont cumulé 1h20 de chrono en moyenne dans la poussière et les chemins difficiles de la région. Car si les spéciales étaient longues, le Montoncel Racing Competition avait aussi ajouté au programme de la liaison la fameuse montée de la côte et c'était gratiné. Du côté des élites E1, c'est Thibaut Giraudon qu'on retrouve sur la troisième marche du podium. Le pilote de la Sherco Academy s'est tout d'abord confronté au 10e pré à Léo Joyon, mais il a fini par lâcher du terrain à mi-journée. On notera qu'il s'impose sur le dernier chrono. De son côté, celui qui sera son coéquipier au prochain ISDE en Argentine dans la catégorie junior réalise sa meilleure performance ici. En effet, sur la bêta du team Oxmoto, Léo Joyon a parfaitement géré sa course dans la poussière du Haut-Forez. Il s'impose sur la SP7 et boucle à 30 secondes de la victoire. C'est un nouveau succès pour le pensionnaire du team Daffy Tildeclerc sur le championnat de France d'enduro en catégorie E1. Il a remporté 7 spéciales sur 9 et n'a jamais été vraiment inquiété. C'est sa 5e victoire en 7 journées de championnat, de quoi confronter son avance au classement provisoire et le hisser encore un peu plus vers le titre. En catégorie élite E2, Antoine Alix est 3e à l'issue d'une longue journée. Il sera le 3e junior aligné au 6 jours en novembre prochain et poursuit son entraînement face à ses aînés en catégorie élite ici. Un peu distancé sur la journée, on retiendra surtout qu'il a bien su se remobiliser à partir du 2e tour pour prendre à chaque fois le 3e temps des E2. Deuxième ce soir, Théo Espinasse a dû surtout s'adapter très vite à sa monture puisqu'il s'est fait voler sa moto de course dans la semaine. Le pilote Beta Oxmoto a perdu beaucoup de temps sur la 2 puisqu'il laisse filer 11 secondes, mais il s'est aussi imposé sur 5 chronos dans la journée. Il s'incline pour 18 petites secondes face à son meilleur adversaire cette saison sur le championnat de France. Il est leader de la catégorie et enfonce le clou sur cette première confrontation ici. Hugo Blanjou n'a jamais laissé planer le doute aujourd'hui puisqu'il a mené dès la 2e spéciale. Le pilote Elite Moto 15 remporte son 4e succès sur le championnat de France cette année. Une victoire qui va lui faire beaucoup de bien au moral après une petite baisse de régime ces dernières semaines. Enfin, chez les grosses cylindrées de la catégorie E3, c'est un nouveau podium, le 4e cette saison pour le grand Julien Roussali. Le pilote officiel Sherco sera de la partie aussi en Argentine aux ISDE en catégorie trophée pour sa première saison en enduro. Il continue d'apprendre et signe une fois de plus une journée solide face à ses aînés. De son côté, Loïc Larrieux doit sans doute commencer à s'inquiéter ce soir, lui qui est venu chercher cette année le titre E3, le seul qui lui manque en championnat de France. Le pilote Daffy a remporté une spéciale mais a subi la domination de Maguin tout au long de la journée. On compte évidemment sur Larrieux demain quand tout sera bien défoncé. Il nous l'a montré il y a 2 semaines lors de la Véronèse classique qu'il pouvait être redoutable dans ces conditions. Vous l'avez compris, c'est une victoire belge en E3. L'officiel Sherco Antoine Maguin a donné du fil à retordre à ses concurrents aujourd'hui, car il remporte la journée avec près d'une minute d'avance. C'est la 4e fois cette saison que Maguin s'impose et il accroît son avance au championnat. Vivement demain qu'on assiste à un beau duel franco-belge dans cette catégorie E3. Merci de nous avoir suivis. Départ demain matin à 8h de Chabreloche pour la seconde journée de cette 4e manche du championnat de France d'enduro 24 MX.